Breton et je dirige le pôle conseil de Prévia. Certains chiffres sont assez stupéfiants, je dois dire. Il y a actuellement 7,5 millions de salariés français qui travaillent avec une maladie chronique. Ça représente environ un salarié sur 5, on ne le sait pas suffisamment. Un autre chiffre qui nous interpelle, c'est que 1000 personnes par jour en France apprennent qu'elles ont un cancer. Et parmi ces 1000 personnes, 400 travaillent. Notre accompagnement, il est à la fois physique, pour surmonter la douleur, entre autres. Il est psychologique, pour surmonter ses freins à la reprise, pour retrouver confiance en soi, pour retrouver une dimension de bien-être. Et il est aussi social, parce que s'éloigner de l'emploi, c'est s'exposer à l'isolement, à des difficultés parfois d'ordre financier ou social, d'une manière générale. Alors pour le salarié, bon, ça peut paraître évident, on leur tend la main. On leur tend la main et pour beaucoup de salariés, ce sont des aides auxquelles ils n'auraient jamais eu accès par eux-mêmes. Les témoignages que nous recevons des salariés sont parfois extrêmement émouvants. Vous m'avez sauvé la vie, sans vous je ne sais pas ce que j'aurais fait. Pour l'entreprise, et d'une manière générale pour le collectif de travail autour de ce salarié, c'est rassurant. C'est rassurant à plus d'un titre de savoir d'abord que si ça nous arrive à nous, eh bien on peut éventuellement recevoir le même genre d'aide. Donc pour le climat social, pour l'environnement de travail, c'est extrêmement bénéfique. Mais ça permet aussi aux managers, par exemple, de s'interroger sur ses pratiques professionnelles et de se dire, tiens, il y a peut-être des ajustements dans ma posture qui seraient de nature à favoriser un meilleur environnement de travail et plus de qualité de vie au travail. Les leviers vis-à-vis du salarié, c'est vraiment lui expliquer tous les bénéfices qu'il peut en tirer et lever les freins du salarié aussi qui peut être méfiant. Tiens, on me propose ça, c'est trop beau pour être vrai, qu'est-ce qui se cache derrière? Donc à nous aussi d'être très transparents. En ce qui concerne l'entreprise, ce sont les chiffres. Il faut savoir que 79% des personnes que nous accompagnons reprennent leur travail. Et dans ces 79%, 84% reprend le travail au même poste, 13% reprend le travail dans la même entreprise à un autre poste et enfin 3% des salariés reprennent le travail à l'extérieur de l'entreprise et font une nouvelle vie. Eh bien moi ce qui m'a frappé, c'est que ce qui peut inciter les dirigeants à prendre en compte les fragilités dans l'entreprise, eh bien, c'est que ça participe d'une bonne ambiance de travail et pratiquement la moitié des dirigeants interrogés se sont exprimés en ce sens.